Heureusement qu'en plus, vous n'allez pas me demander de chanter. Ça, c'est pas sûr. Je vous ai entendu tout à l'heure. Merci, Marie-Christine, tout d'abord, d'être avec nous à Nancy ce soir. Et merci d'autant plus que vous avez à Paris une actualité théâtrale particulièrement chargée. Vous étiez hier sur scène, vous y serez demain, comme durant tout le mois d'avril, et vous jouez au Théâtre Marigny, la pièce dont tout le monde parle en ce moment, avec un casting de rêve et de surcroît une critique unanime, l'amour, la mort, les fringues, mise en scène par Daniel Thompson. Le théâtre, comme le cinéma d'ailleurs, vont à l'évidence occuper une grande partie de notre conversation. Vous avez été à l'affiche de plus de 100 pièces et films, sans oublier d'ailleurs la télévision. Je pense en particulier à votre rôle magnifique de Marie Curie. Et on a l'impression que depuis le jour où vous avez décidé que vous deviendriez comédienne, vous n'avez quasiment plus quitté la scène. Alors, on pourrait se dire que c'est normal. Vous venez d'une famille d'artistes, pardon. Votre grand-père était peintre, votre mère était pianiste. Et surtout, vous êtes la nièce de celui qui est l'un des phares de l'histoire artistique théâtrale du XXe siècle. On a vu d'ailleurs des images de lui hier soir au Molière. Jean-Louis Barrault, bien sûr. Vous les avez vues, les images? Non. Barrault-Renault, on les a vues. Ah, si. Ah, mais si, bien sûr, je les ai vues. Et d'ailleurs, les images qu'on a montrées, c'était des images au Molière, et c'était un Molière que je leur avais remis. On ne me voyait pas dans le cadre, mais j'étais juste à côté. J'étais là. Alors, Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud, couple ô combien mythique, dont vous allez nous dire quand même dans quelques instants de quelle manière, pour le moins un peu surprenante, ils ont été à vos côtés au moment où vous leur avez annoncé que vous feriez de votre passion des grands textes votre vie. C'est ce que moi j'ai découvert dans les premières pages de votre très émouvante, et j'ai envie de dire à votre image, très lumineuse autobiographie, qui se lit comme un roman, mais c'est normal, votre vie est un roman. Et quel roman, ce long chemin pour arriver jusqu'à toi. Toi, c'est bien sûr Vadim, votre grand amour, la rencontre improbable, fusionnelle, totale, j'ose le dire, mais si vous allez peut-être me reprendre, entre deux séducteurs. Non, je ne reprends pas. Bon, c'est parfait. Vadim, avec lequel vous allez vivre 12 années de votre vie et que vous accompagnerez jusqu'à sa mort le 11 février 2000. Quelques jours avant sa mort, sur son lit d'hôpital, il avait confié une mission au livre que vous lui aviez promis d'écrire sur votre parcours et bien évidemment sur vous deux. Il vous avait dit qu'il serait un devoir de vacances, l'expression est tellement jolie, vacances bien sûr sans S. Un devoir de vie en somme. Alors ce livre, le voici, ce long chemin pour arriver jusqu'à toi. Nous allons évoquer à travers lui, Marie-Christine, votre route d'actrice. Et puis, de façon plus privée aussi, la route d'une femme, me semble-t-il, gourmande de chaque instant de l'existence. Est-ce que je me trompe si je vous dis que les deux moteurs qui animent votre vie sont l'amour des mots et l'amour de la liberté ? Oui, l'amour de la liberté, avant tout. Avant l'amour des mots ? Oui, parce que les mots, c'est une manière de trouver la liberté, c'est une manière de trouver son territoire, d'agrandir son territoire et d'aller vers les autres. C'est un moyen, les mots. La liberté me paraît quasiment une fin en soi, un projet de vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on choisit la liberté, je pense qu'on choisit le maximum de possibilités, de couleurs, de direction de vie. Et c'est sans doute aussi pour ça que le métier d'actrice me convient si bien. C'est que c'est un métier dans lequel on essaye des pistes tout le temps nouvelles et qui se mélangent, qui se croisent, qui se... L'audace. Oui, et on expérimente, voilà, on ne se contente pas d'une vie.
Alors, nous allons commencer par votre enfance, évidemment. Vous avez été élevé les premières années de votre vie par une grand-mère, Félicité, quel joli nom. Quel beau nom. Ah oui, vos parents étaient séparés, votre maman avait refait sa vie, et vous avez donc confié à cette grand-mère. On a l'impression que vous étiez dans une famille où on mettait peu de mots sur les sentiments. Ah oui, c'est un euphémisme. C'est vrai qu'il se passait beaucoup de choses dans ma famille, dans mon enfance, beaucoup de choses, enfin, comme dans beaucoup de familles, quand on gratte un peu, hein. Mais souvent on ne gratte pas, justement. Et moi, j'ai vécu tout ça dans un silence total. C'est-à-dire que, par exemple, le simple fait que ma mère soit divorcée et remariée n'a jamais été mentionné. C'est-à-dire, on n'a jamais mis un mot sur cette réalité. Et la première fois que j'ai entendu ma mère prononcer le mot « divorce », c'est quand moi-même, je lui ai annoncé que j'allais divorcer, j'avais 26 ans, et que bon, mon mariage était un fiasco, et que j'allais divorcer. Et elle m'a dit « Oh, mais réfléchis bien quand même, ma petite fille, parce que tu sais, le divorce, c'est toujours un traumatisme pour les enfants. » J'ai cru que j'allais m'évanouir, parce que le traumatisme, Dieu sait que je l'avais vécu, mais on n'en avait jamais parlé, et on n'avait même jamais simplement dit ce mot. Et je pense que c'est quand même étrange que instinctivement j'ai éprouvé toute petite, à un âge où on ne sait pas ces choses-là, une attirance pour les mots, pour les sentiments, mais les sentiments qui avaient un mot, pas seulement ressentir les choses, mais les dire, les exprimer, alors que j'étais dans un environnement qui justement était l'inverse. Vivait des choses mais ne les disait jamais. Oui, en fait, la découverte de vos premières lectures, ça a été finalement une libération. Oui, mais moi je vivais beaucoup à travers la lecture. J'ai une enfance et une adolescence, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaye de donner cet amour aux gens en faisant aussi beaucoup de lectures. Parce que je pense que la lecture, c'est la liberté absolue, je veux dire, être en mesure de prendre une distance, mais une distance affectueuse, hein, pas une distance d'isolement, pas renoncer au monde et aux êtres humains et aux sentiments, mais simplement cet espace de liberté que représente la lecture, que représente le cheminement à travers un livre, quel qu'il soit. Je n'ai aucun, je ne méprise rien, sauf des mauvais livres. Enfin, je ne les méprise pas. Mais quand je vois, par exemple, dans le métro, des gens qui lisent, et qui lisent des petits romans, ce qu'on appelle des petits romans de gare, je n'ai pas de hiérarchie. Je pense qu'à partir du moment où quelqu'un est capable, dans le métro, après une journée de travail, fatigante et tout, de prendre un livre et de lire, je me dis, c'est quelqu'un qui se ménage des espaces de liberté. Et ça veut dire que, voilà, pour moi, c'est ça, un être humain. Alors, vous avez dans votre livre une très belle phrase que vous êtes dite enfant, et je trouve que c'est très rare. Vous écrivez, les livres me disent autre chose entre leurs lignes, une chose qu'il faut savoir entendre, car elle n'est pas écrite noir sur blanc. Ils me disent qu'avec toutes ces pensées qui nous habitent, et parfois nous torture, on peut aussi faire de la beauté. On fait de la beauté avec tout, et on fait de l'art avec tout. On fait même, plus c'est dur, plus c'est cruel, plus la vie est dure. Vous voyez cette phrase de Rilke. Ainsi, l'art n'est seulement qu'une façon de vivre, et l'on peut, en vivant d'une façon quelconque, sans le savoir, s'y préparer. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que je pense que l'art et la beauté, ce n'est pas un truc qui est à part, ce n'est pas un monde à part, c'est justement, c'est tout le sens de ma vie, c'est-à-dire arriver à faire sentir à tous les êtres humains que l'art et la beauté est en eux d'abord, est autour d'eux et partout. Il suffit d'apprendre à regarder et à ressentir. C'est pour ça que je pense que le métier que je fais est un métier absolument d'abord utile et nécessaire, et sublime, parce que ça consiste à dire et à redire et à faire sentir à tout le monde à quel point l'art et la beauté sont non seulement indispensables, mais à leur portée, à notre portée. Alors, vous avez lu un tout petit passage de Rilke, que nous allons le retrouver dans quelques instants, parce qu'il a été très important dans votre vie. Ces lettres à un jeune poète ont été très importantes. Avant, je voudrais que vous nous disiez un mot de Jean-Louis Barrault, parce que ce monde de lumière qui a été, dès votre enfance,
concrétisé par les livres, j'imagine que vous le retrouviez chez Jean-Louis Barrault, qui était votre oncle, le frère de votre père. Vous avez compris très vite que vous aviez une star dans la famille, deux stars, un couple. Oui, non, j'ai compris très vite, mais alors pas du tout à travers les mots, parce que j'étais encore trop petite. J'ai compris très vite que c'était quelqu'un de spécial. Quand il venait me voir, quand j'étais chez ma grand-mère, dans une petite maison à la banlieue de Paris, il venait me voir avec mon père, et je trouvais que quand même, Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud, ils arrivaient toujours... Il y avait quelque chose en eux. Moi, je ne lisais pas. Il n'y avait pas la télévision à l'époque. Je ne lisais pas de magazine, rien du tout. Mais je voyais bien qu'il se dégageait une aura de ces deux personnes. Ils apportaient quelque chose d'autre, un peu très glamour. Mais moi, je ne connaissais même pas ce mot-là. Mais la première fois que j'ai vu, le premier film que j'ai vu dans ma vie, et pendant longtemps, ça a été le seul, c'était Les Enfants du Paradis, que ma grand-mère nous avait emmené voir à la salle de patronage au bout de la rue. Et là, j'ai vu quand même que la personne qui jouait le rôle principal masculin, c'était mon oncle, celui que j'avais l'habitude de voir de temps en temps, comme ça, en allant se promener le dimanche dans la forêt, cueillir des champignons. Et bon, ça m'a donné l'idée d'une proximité, ça c'est sûr. Et puis, d'une proximité avec cet art qui était celui du cinéma. Je ne savais pas très bien ce que ça représentait, mais... À ce moment-là, je n'avais jamais été au théâtre et je ne savais pas qu'il était acteur de théâtre. Je ne savais pas ce que c'était que le théâtre. J'ai découvert le théâtre plus tard. Mais ce que j'ai découvert, là, j'y pense parce que vous avez posé la question d'une façon que tout d'un coup, j'ai eu une vision. C'est que Jean-Louis Barrault avait chez lui, dans son appartement, une bibliothèque absolument extraordinaire. Et ça, c'est la plus grande tristesse de ma vie. Pendant tout le temps de mon enfance et de mon adolescence, il nous montrait à mon frère et moi cette bibliothèque en disant « ça, ça sera pour vous, c'est pour vous ». Et j'ai rien eu, parce que quand il est mort avant sa femme, elle a tout pris, elle a tout donné à son fils, qui a tout dispersé, et je n'ai jamais eu même pas un livre. Et l'idée de tous ces livres, inouïs, pour moi, sa bibliothèque devait être mais un trésor, et avec en plus des relations personnelles avec ceux qui les, beaucoup d'auteurs, enfin des correspondances, des choses écrites sur les livres et tout. Alors, je pense... Il y avait la lettre de Claudel. Ah oui, mais alors les lettres de Claudel, l'avantage, c'est qu'elles sont éditées, donc on les retrouve. Mais il y avait sûrement des choses personnelles qu'on n'a pas retrouvées, que moi, je n'ai pas retrouvées, bien sûr, puisque ça a été dispersé. Et donc, très vite, j'ai réalisé que ce Jean-Louis Barrault, qui est à la fois dont je portais le nom, en même temps, était une grande figure de... C'est très étrange parce qu'on m'a souvent posé la question, est-ce que c'est à cause de cette filiation que vous avez eu envie d'être comédienne ? Je ne saurais jamais le dire, parce qu'il y avait quelque chose de si profond en moi, mais en même temps, il y avait aussi cette exemplarité à côté de moi. Donc je pense que c'est la conjugaison des deux qui a fait que j'ai compris que ce métier était fait pour moi. Alors justement, vous perdez moi votre... pour lui. Vous perdez votre père à 14 ans d'une sclérose en plaques et vous avez la chance d'avoir un professeur assez exceptionnel au cours où vous êtes, qui à la fois... saura un petit peu être présente, vous réconforter au moment de la mort de votre papa, parce que personne ne le fait, et vous permettra de monter sur scène peu de temps après, l'année de vos 15 ans, et de jouer Claudel. Oui. C'est quand, elle oui. a représenté cette madame Saint-Maurice. J'étais élevée dans un collège religieux. Le moment fort de votre oui. vie, et peut-être cette fois, le moment où vous avez décidé que vous serez actrice. Elle avait senti quand même que j'avais une attirance pour les textes, pour les grands textes. J'aimais Claudel. C'est extraordinaire d'aimer Claudel quand on est petite fille. Je veux dire, même aujourd'hui, il y a beaucoup d'adultes qui me regardent ahuris quand je leur parle de Claudel comme si c'était ma lecture quotidienne. Ça peut être ma lecture quotidienne, tellement je suis à l'aise dans ce texte et comme je l'aime. Alors ça, pour le coup, Jean-Louis Barrault n'y est pas pour rien, sûrement. Oui, il y a des gènes claudéliens quand même. J'avais quand même vu des pièces de Claudel jouées par lui, donc automatiquement j'avais été les lire dans la continuité des représentations. Donc bon, c'est pas pour rien. Mais en même temps, j'étais tellement attirée par ces textes. Et donc cette femme a eu l'idée... de nous mettre en scène, tout un petit groupe, on était six filles, les filles jouant les garçons, hein, c'était un collège de filles, et on a monté l'annonce faite à Marie, j'ai joué le rôle de Violaine. Et c'est vrai que ça a été mon premier vrai contact avec le théâtre. On avait monté les Précieuses Ridicules, comme toutes les écoles avant, mais ça ne m'avait pas beaucoup plu, les Précieuses Ridicules. J'aimais pas beaucoup le rôle, les Précieuses Ridicules. Mais je me suis dit, voilà, j'ai senti que ce lieu qui s'appelait une scène...
ça allait être vraiment pour moi le lieu privilégié. J'étais vraiment bien, j'étais chez moi. Et je continue à penser que sur une scène, je suis chez moi. C'est curieux. Hein. Avec une faculté, dès le départ, de mémoriser les textes. Oui. Tout à fait ah impressionnant. Oui. Et la joie de les mémoriser, surtout. Parce que tout le monde pleurait tout le temps dès qu'on avait trois poèmes à apprendre. Et moi, c'était une joie pour moi d'apprendre ces textes. Et de les dire, surtout. Comme je dis, à l'école. Dans cette école où j'étais, j'avais appris, c'est mon tube, Vierge à midi de Claudel, qui est un magnifique poème, ça fait partie des poèmes de guerre de Claudel, qu'il a écrit juste après la guerre de 14, en 15, enfin je ne sais plus quand il l'a écrit, mais après la guerre de 14, et là, il est midi, je vois l'église ouverte, il faut entrer, Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier, enfin, texte magnifique. Que je disais pour un oui, pour un non à l'école, dès qu'il y avait la distribution des prix, l'archevêque qui venait faire pour la confirmation et tout, on disait « Ah ben, il y a la petite Barreau qui va nous dire l'annonce fête, la Vierge à midi », et je disais « La Vierge à midi », et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je continue à dire « La Vierge à midi », parce qu'avant-hier, vendredi soir, j'ai fait un spectacle, enfin, on ne peut pas appeler ça un spectacle, un concert avec le Chemin de la Croix de Claudel dans une église à côté de Grenoble, je leur ai fourgué « La Vierge à midi », avant, là, j'ai dit, on va faire une petite entrée en matière avec la Vierge à midi. C'est mon tube depuis, vous imaginez, j'ai commencé, j'avais 12 ans à calculer depuis combien de temps je dis la Vierge à midi. Tout à l'heure, vous nous lirez peut-être un petit passage de Claudel quand même. Là. Alors, si la littérature vous donne la clé du monde, que le théâtre finalement est une libération, vous allez pouvoir dire « je t'aime » sur une scène alors que vous n'osez pas le dire dans votre famille. Le jour où vous annoncez que vous voulez être comédienne, à Jean-Louis Barrault en particulier, c'est impressionnant. Il vous répond « il n'y a qu'à te regarder pour voir que tu es faite pour la scène comme moi pour être notaire ». Ensuite, « plante-toi devant une glace, observe-toi et dis-moi si tu te vois en Antigone ou en Isée ». Et puis pour le cas où vous ne soyez pas encore convaincu, « tu veux faire du théâtre parce que tu t'imagines qu'avec notre soutien, ça va être plus facile ». Aux autres. Mais c'est terrible quand même. Oui, ils n'étaient pas d'accord. Il vous a fallu une vraie détermination. Grosso modo, ils n'étaient pas d'accord. Pourquoi, d'après vous? J'en sais rien. Je vais peut-être écrire un livre là-dessus. Oui. J'ai essayé d'écrire une fiction. Non, mais je pense que lui, il était très influencé par Madeleine Renaud. Et Madeleine Renaud était une immense actrice, pour ceux d'entre vous qui l'ont connue et qui s'en souviennent. Une immense actrice, mais ce n'était pas la crème des femmes. Hein. Elle n'était pas gentille du tout. Et elle détestait les actrices. Surtout celle qui était plus jeune qu'elle. Et donc, elle n'imaginait même pas qu'on puisse lui succéder. Quoi. Je pense qu'elle pensait que le théâtre allait s'arrêter après sa mort. Parce que plusieurs fois après, quand on me proposait des rôles et que je, toute contente, je lui disais oh, « Tu sais ce qu'on vient de me proposer comme rôle ?» Elle me disait « Encore un de mes rôles ?» Et aussi, elle m'avait dit elle m'avait dit deux choses que j'ai jamais oubliées, évidemment, qui étaient plantées dans le cœur comme des épines. Elle m'avait d'abord dit, déjà, ne compte pas faire du cinéma avec le physique que tu as. Ce qui, quand même, quand on a 19 ans, vous plombe un peu. Et puis après, un autre jour, où je lui disais, bon, écoute, arrête maintenant, toi, on ne t'a pas empêché, on t'a laissé faire ce métier, et pourtant, tu n'étais pas d'une famille où on pouvait t'aider là-dedans, ils n'avaient rien à voir avec le théâtre. Et ils t'ont laissé faire tes expériences et tout. Elle m'a dit, mais moi, c'est pas pareil. Hein. Moi, j'avais du talent. Voilà. Alors, ça, c'était mon viatique pour partir dans ce métier. Ah oui, ça a mis à l'épreuve votre vocation. Mais ça m'a bien armée. Hein. Ça m'a armée. Je me suis dit, oui, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Et alors, le texte qui vous a convaincue définitivement d'être actrice, c'est l'être un jeune poète. Mais parce que quand même, au milieu de tout ça, j'avais quand même des doutes. Qui n'en a pas pour se lancer dans un métier comme celui-là? Vous avez fait le cours Simon, le conservatoire. Parce que Jean-Louis m'a dit, va au cours Simon et présente le conservatoire. Donc j'ai été au cours Simon, qui n'était pas du tout c'était pas bien pour moi de faire le cours Simon. C'était un cours qui était très branché sur le cinéma, sur l'apparence et tout ça. Même si René Simon était quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Qui ne vous a jamais fait payer, parce que Jean-Louis Barrault n'a jamais donné un sou. Il m'a dit, qui paye t'écoutes le son? Et à l'époque, ma mère était veuve de mon beau-père, et donc vraiment il n'y avait pas d'argent à la maison du tout, et Jean-Louis justement n'avait pas question de m'aider à faire ce métier, donc je me débrouillais en faisant des petits travaux à droite à gauche d'étudiante, et donc il m'a dit bon bah tu paieras plus tard, et j'ai jamais payé, mais je ne suis pas restée très longtemps puisque je suis rentrée au conservatoire de
Paris juste l'année suivante. Mais qu'est-ce que vous vouliez me faire dire, là? J'ai oublié. Je vais dire la vérité, c'est que je ne sais plus non plus. On parlait... Ah oui, Rilke, voilà, je parlais de mes doutes. Au milieu de tout ça, j'avais quand même des doutes. Je voyais bien que j'adorais être sur scène, je voyais bien que j'adorais les textes, je voyais bien que j'étais pas plus maladroite qu'une autre, mais pas plus adroite non plus, que j'avais un physique soi-disant déplorable. Enfin, tout ça faisait que quand même, je me disais, est-ce que je vais aller au bout? Et ce que je ne voulais pas, parce que vraiment je ne le souhaite à personne, c'est une vie ratée d'actrice. Parce que je ne souhaite à personne. Je ne souhaite à personne d'être assis à côté de son téléphone et d'attendre que le téléphone sonne, qu'on vous propose un rôle, de vous déliter en disant « bon ben voilà, personne ne m'aime ». Parce que quand on est au chômage, aujourd'hui d'abord on a beaucoup plus l'habitude du chômage que quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, on faisait des études, on vous expliquait que si vous faisiez les bonnes études, vous alliez travailler toute votre vie sans jamais connaître le chômage. Donc quand même, bon. Donc le métier d'acteur, on savait que c'était un métier dans lequel il y avait des périodes de chômage. Donc déjà, ça, c'est dur à vivre. Mais quand c'est un chômage qui se prolonge et que vous vous mettez totalement en question, vous dites, bon, ben, ça veut dire que je suis mauvaise, ça veut dire que je n'ai pas ma place comme actrice, personne n'a envie de me voir, personne n'a envie de me faire travailler, ça vous détruit intérieurement. C'est épouvantable comme vie. Je ne parle même pas du problème économique, parce qu'à mon époque, quand j'ai commencé à jouer, ça n'existait pas. Le chômage, les acédiques, tout ça, ça n'existait pas. Donc, puis, il fallait se débrouiller. Donc, tout ça, je voulais être au sommet, je veux dire. Je voulais être une actrice qui travaille et qui a du succès, et qui a des beaux rôles, surtout. Et donc j'avais des doutes. J'avais beaucoup de doutes. Je me disais, voilà, à 25 ans, si je n'ai pas réussi... J'arrêterai, je ferai autre chose. Je ne savais vraiment pas quoi je ferais, hein, ce que je pourrais faire, parce que je n'avais aucune idée, mais bon, je me disais, à 25 ans, on peut encore changer de route. Mais surtout, je me disais, je ne veux pas... Je pressentais que c'était un métier dans lequel il fallait être engagé totalement. Il fallait s'engager de bout en bout. Je le pressentais, mais en même temps, je me disais, si on se trompe de route, ce n'est pas parce qu'on s'engage, ça ne suffira pas. Et je suis tombée, comme beaucoup de gens tombent, sur ce texte fabuleux de... Rainer Maria Rilke, qui s'appelle « Les lettres à un jeune poète ». Et là, ça a été le pilier de Notre-Dame pour Claudel. Et voilà ce qu'il dit en quelques mots. Et donc, c'est un jeune poète, un jeune homme, qui veut être poète et qui envoie des lettres à Rilke, qu'il considère comme le plus grand poète de son époque. Il lui demande « Mais comment, qu'est-ce que vous pensez de mes vers, d'abord ? Et comment être sûr que je suis un bon poète ?» Et Rilke lui répond « Votre lettre m'est arrivée il y a à peine quelques jours et je veux vous remercier pour son aimable et grande confiance. Je ne peux guère faire plus. Je ne puis m'exprimer sur la qualité de vos vers car tout regard ou intention d'ordre critique m'est trop lointaine. Vous demandez si vos vers sont bons, vous me le demandez. Vous l'avez auparavant demandé à d'autres. Vous les envoyez à des revues, des magazines. Vous les comparez avec d'autres poèmes et vous vous inquiétez quand certaines rédactions refusent vos essais. Maintenant, je vous prie de renoncer à tout cela. Vous portez le regard vers le dehors, et cela avant tout, vous ne devriez dorénavant plus le faire. Personne ne peut vous conseiller ni vous aider. Personne. Il n'existe qu'un unique moyen. Entrez en vous. Interrogez la raison qui vous appelle à écrire. Examinez si elle étend ses racines au plus profond de votre cœur. Êtes-vous vraiment sûr qu'il vous faudrait mourir s'il vous était interdit d'écrire. Ceci avant tout, demandez-vous à l'heure la plus sereine, la plus tranquille de votre nuit, dois-je écrire ? Creusez en vous vers une réponse profonde. Et si celle-ci devait être affirmative, si cette grave question devait rencontrer un fort et simple « je dois », alors construisez votre vie selon cette nécessité. Votre vie, jusqu'au tréfonds de ses heures les plus indifférentes, les plus infimes, doit être le signe, le gage de cet élan. Une œuvre d'art est bonne qui naît de la nécessité. Voilà ce que dit Rilke. Et quand j'ai lu ça, ça a été une illumination. Je me suis dit, je dois me poser la même question par rapport à ce métier du théâtre et de la scène, et éventuellement du cinéma, ça je ne savais pas si ça viendrait. Est-ce que c'est une nécessité ? Est-ce que je meurs si je ne le fais pas ? Et la réponse ? Et j'ai essayé d'être le plus franche avec moi-même possible, la plus sincère possible. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, oui,
vraiment oui. Peut-être ce métier va me refuser, mais moi, je vais tout lui donner parce que je ne vois pas d'autres possibilités pour être moi-même. Ça m'a donné une force, une confiance, une sérénité incroyable qui m'a pratiquement jamais quittée 45 ans après. Et vous n'avez quasiment jamais quitté la scène. Et j'ai jamais quitté. Et il n'y a pas un jour de ma vie où je me sois dit, où je ne me sois pas dit que ce métier, c'était ma vie. C'était ce qu'on appelle une vocation, bien sûr, mais bon, ça c'est un peu romantique comme ça, une vocation. C'est une nécessité de tous les jours tellement forte que je ne l'ai pas regretté, même dans les moments difficiles. Je ne me suis jamais dit, oh, j'aurais dû faire autre chose. Un jour, j'ai eu une conversation, il n'y a pas longtemps, avec mon fils, qui est un grand monsieur maintenant, et je lui ai demandé s'il était heureux dans son métier. Il a un bon job, comme on dit, un bon job, il gagne bien sa vie, il fait un peu les choses à sa manière, enfin, il est heureux dans son métier. Et il me dit, mais je te dis, si je gagne demain à la loterie, j'arrête de travailler. Et bien, je lui dis, moi, si je gagne demain à la loterie, je continue tout pareil, même encore pire. J'achète un théâtre, je mets de l'argent dans la production et je n'arrête pas un jour de travailler. Donc c'est quand même une grande différence. Alors, séance un petit peu plus privée, si les mots ont illuminé votre adolescence, il y a un homme qui l'a illuminé aussi. Vous aviez 11 ans, il en avait 14, c'était Daniel Toscan du Plantier. Il a évidemment été connu plus tard, mais franchement, dans votre livre, il n'a quand même pas le beau rôle. C'est pas un règlement de compte, mais pas très sympathique, le monsieur. Hein. Vous en avez bavé, entre guillemets, quand même. Oui. Avez. Donc, c'est vous qui avez décidé de l'épouser, c'est vous qui lui avez demandé de l'épouser. Oui, mais enfin, c'était sur un terrain quand même d'entente préalable. Certes. Il était très présent dans ma vie, il avait illuminé mon enfance et mon adolescence par son intelligence, par sa culture, il représentait pour moi tout ce que j'avais pas dans ma propre vie. Il m'a fait connaître énormément de choses, on a partagé énormément de choses, le théâtre entre autres. Très vite, j'allais justement voir les spectacles de Jean-Louis Barrault avec lui. Bon, lui, il était surtout content parce qu'il allait voir Jean-Louis Barrault et que c'était assez chic. Mais en même temps, je lui ai donné le goût du spectacle. C'est pour ça qu'il est devenu producteur après de cinéma, avec une grande réussite. Mais il venait d'une famille qui était, aux antipodes. Et j'ai été un marchepied pour lui vers ce monde-là. Moi, pas moi toute seule, ma famille, ce que je représentais dans ma famille. Et bref, on était quand même très... On était liés par des liens très forts et par un projet de vie très fort. Et puis, bon, il se trouve qu'il a évolué. Bon, quand on se marie très jeune... Vous êtes restés 10 ans ensemble ? On est restés une bonne dizaine d'années, oui. Mais enfin, pas tout à fait ensemble. Avec des hauts et des bas, oui. Beaucoup de bas. Et quelques hauts, et surtout deux enfants magnifiques. Rien que pour ça, je ne regrette pas de l'avoir épousé, parce que mes enfants vraiment ne m'ont donné que des joies, et ne me donnent que des joies. Et bon, peut-être, il fallait que ça soit ça. On va revenir au cinéma à travers lui, mais il y a quand même un épisode que je voudrais vous faire dire, parce que je trouve assez extraordinaire. Donc, Daniel Toscan du Plantier vous trompe. Et quand on dit vous trompe, c'est vraiment beaucoup. Et à un tel point qu'à un moment, vous désirez partir et vous vous mettez d'accord avec sa maîtresse. Vous partez le matin et l'après-midi, quand il rentre, elle est dans l'appartement. C'est quand même assez rare, ça. C'est une scène de comédie. Ça montre votre caractère. C'est-à-dire que ça faisait déjà un moment que ça durait et qu'il m'expliquait qu'elle était une femme exceptionnelle, bien, bien différente de moi, elle capable de rendre un homme heureux. Enfin bref, elle avait toutes les qualités que je n'avais pas. Et ça durait. Et je lui disais, alors quand est-ce qu'on se sépare ? Ça, c'était la deuxième fois. J'étais partie une première fois, j'étais revenue. Ah non, c'est la première fois. Excusez-moi. C'est la première fois. Et donc, ça n'avançait pas du tout. Parce que les hommes, je ne sais pas s'il y en a pas mal dans cette salle, mais il y a beaucoup d'hommes qui, en fait, ils rêvent leur vie plus qu'autre chose. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'ils voudraient, quoi, c'est avoir plusieurs vies en même temps. Alors, il aimait beaucoup cette fille. Je ne sais pas d'ailleurs, je n'ai jamais su exactement ce qu'elle représentait pour lui. Mais en tout cas, il vivait plus avec elle qu'avec moi. Il était tous les soirs chez elle et pas chez moi. Et donc, moi, je suis assez pragmatique. Je disais, mais puisque tu préfères être avec elle qu'avec moi, on va se séparer. Ça me paraît logique.
Oui, mais il faut encore réfléchir et tout ça. Bon, enfin, à force de faire réfléchir, j'en pouvais plus, moi. Donc un jour, j'ai appelé cette charmante personne et je lui ai dit, écoutez, voyons-nous et mettons les choses au point toutes les deux. Donc je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vivre avec lui? Elle m'a dit, mais oui, mais bien sûr, mais j'attends que ça. Et il me le promet tous les jours et tout. Bon, ben, j'ai dit, écoutez, on va organiser les choses. Donc j'ai cherché et trouvé un appartement. Et puis, j'ai dit, ce qu'il faut, c'est pas le laisser tout seul. Parce que lui, tout seul, il était perdu. Donc, j'ai dit, écoutez, voilà, on va déménager le même jour. Moi, le matin, je pars. Et vous, l'après-midi, vous arrivez. Comme ça, le soir, il a la nouvelle femme dans l'appartement. Et dommage, vous avez emporté ses cravates. Alors, on avait même fait plus. Je lui ai même demandé, parce que je lui ai dit, vous savez, il est très pointu sur le mobilier. Et elle, je sentais qu'elle avait un mobilier qui ne lui plaisait pas du tout à lui, parce que lui, c'était très sophistiqué et tout. Je lui dis, si vous avez un vieux canapé, enfin votre canapé à me refiler, c'est bien, parce que je vais tout laisser. Lui, il tient trop à ses meubles, moi, j'y tiens pas. Et si vous avez une ou deux choses, alors j'avais récupéré son canapé à elle, qui était parti directement dans mon nouvel appartement. Et le soir, malheureusement, le soir même, il est arrivé dans mon appartement en me disant que les déménageurs avaient emporté malencontreusement ses cravates et qu'il venait chercher ses cravates. Et donc, et là, il m'a fait une déclaration en m'expliquant que j'avais fait la bourde de ma vie, que j'avais foutu notre vie en l'air, nos enfants et tout, et que c'était ridicule. C'était quand même pas très gentil pour elle qui s'installait dans l'appartement le soir. Et bon, c'est vrai que voilà, ça a duré un an et au bout d'un an, elle est partie et je suis revenue. Vous êtes revenue, mais pas pour longtemps. Mais pas pour longtemps, voilà. Et pour repartir définitivement cette fois, voilà. Parce que Toscan du Plantier va vous trouver un film à tourner pour vous empêcher de partir avec quelqu'un que vous avez rencontré cette fois. Et le film, c'est Cousin Cousine. Alors, il y a une très bonne succès international. Une très bonne collection de romans de gare qui s'appelle la collection Tout Arlequin. Le livre est comme ça. Oui, tout le livre est comme ça parce que j'ai une vie très, 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 très trépidante quand même. Il se passe beaucoup de choses. Ouais. Parce que c'est bien. dans les textes de mon oncle. Je suis persuadée, Marie-Christine, que la plupart des personnes qui liront votre livre, en le refermant, se diront. On n'a pas fait grand-chose, oui. Finalement. L'autre jour, je suis arrivée à l'émission de Stéphane Bern à la radio. Il m'a dit, mais c'est effrayant, j'ai l'impression que je n'ai rien vécu à côté de voilà. Vous. Alors, Jean-Louis Barrault, dans un de ses livres, il dit, parce que finalement, quand même, on a le même sang. Vous n'êtes pas rancunière. J'ai toujours préféré avoir une vie folle qu'une vie plate. Cela s'appelle le désir de vivre plus. Une vie d'homme contient si peu de jours à vivre, 30 000 peut-être, et moins il en reste à vivre, plus il faut remplir les années. Eh bien, je me suis dit... Vous avez des points communs. Finalement, on a quand même le même sang. Alors, donc, avec Cousin Cousine, arrive le succès international. Oui, alors c'est ça. Cousin Cousine, voilà. En fait, c'est drôle parce qu'à ce moment-là, c'était mon deuxième départ du lit conjugal. Du lit et du nid. Et il ne voulait toujours pas que je parte. Et il s'est dit, bon, il y avait toute une histoire. Voilà. Non, mais c'est un livre plein d'événements. Hein. Tout à fait. On ne mégote pas. Il y a à lire. Il ne voulait pas que je parte. Et il s'est dit, il faut qu'elle. Parce que je voulais partir. Là, je cherchais un appartement. Et je voulais partir pendant l'été parce que c'était la période, les vacances, les enfants, tout ça. Il s'est dit, il faut qu'on lui trouve un film à tourner. Voilà. Et là-dessus, Jean-Charles Taquilla arrive chez Gaumont, puisqu'entre-temps, il était devenu directeur général de Gaumont. Et de la Gaumont, et Jean-Charles Taquilla arrive avec le projet de Cousin Cousine. Et il y avait toute une liste d'actrices et d'acteurs aussi pour les rôles. Et qu'est-ce qu'il voit ? Marie-Christine Barrault pressentie pour le rôle. Et il lui dit, Toscan du Plantier dit à Taquilla, ah oui, 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 c'est bien, Marie-Christine, ça serait une bonne idée et tout. Mais lui, il n'était pas sûr, Taquilla, il se disait, oui, c'est un des... Parce que quand on monte des films, il faut des acteurs qui permettent de trouver le financement pour les films. Donc, quelquefois, on pense à un acteur, une actrice, mais on n'est pas sûr de pouvoir l'avoir à cause des financements des producteurs. Et là, au contraire, mon nom était très, très porteur. Mais il ne voulait pas tourner pendant l'été, il voulait tourner un peu plus tard. Et alors, il a dit, ouais, je ne sais pas, dans le courant de l'année. Et Toscan du Plantier a dit, ah non, 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 il faut tourner pendant l'été. Parce que lui, il se disait, pendant ce temps-là, il ne pourra pas déménager. Donc, on a tourné le film pendant l'été. J'ai pas déménagé. J'étais prise tous les jours. Je pouvais pas déménager. Mais le film a eu tellement de succès. Et moi, j'ai eu tellement de succès dans ce film avec les Oscars, les nominations aux Oscars, tout ça,
ça m'a donné un élan dans ma carrière d'actrice qui m'a permis de déménager quelques mois plus tard avec beaucoup d'énergie. Et pour la première fois, de ne plus être la nièce de Jean-Louis Barrault, mais Marie-Christine Barrault. Voilà, là vraiment, ça a là, été c'était... le passage à l'âge adulte. Alors, en fait, on a l'impression que vous aviez, enfin vous le dites d'ailleurs, bâti un petit système, le mariage d'un côté, la passion de l'autre. Et donc, vous allez avoir une vie intéressante. Et moi, j'ai découvert quelque chose de très amusant, c'est que à Nancy, vous êtes venu. Si, si, je le dirais. Mais oui, si, si, c'est vrai. Vous êtes venu tourner un film de Zanussi, Le pouvoir du mal, pouvoir de Christophe Zanussi. Et à Nancy, Marie-Christine Barrault a eu une aventure avec Victor Gassman. C'était votre fantasme, Gassman. C'était mon seul fantasme d'acteur, car je ne supporte pas les acteurs. Et vous dites derrière, je présume que ça le concerne un peu, que l'expérience avec un acteur est à la fois misérable et stérile. Bonjour, Gassman. Je suis assez d'accord avec Cocteau qui disait qu'une actrice, c'est un peu plus qu'une femme et qu'un acteur, c'est un peu moins qu'un homme. Il y a des exceptions quand même. Il y a plein d'exceptions. J'ai plein d'exceptions, Laurent Terzieff, Michel Bouquet, Pierre Van Eyck, il y a plein d'exceptions. Mais grosso modo, il y a du vrai quand même. Mais non, mais parce que, en fait, j'ai l'air de prendre tout ça à la légère, mais c'est pas si léger que ça quand même, parce que une des raisons principales qui fait que j'ai voulu quitter ce premier mariage, c'était que j'étais devenue une personne qui ne me plaisait pas. C'est qu'effectivement, j'avais développé une sorte d'empirisme, comme ça, de petite vie, c'est-à-dire que j'étais mariée avec quelqu'un que j'avais beaucoup aimé, avec qui j'avais eu un idéal de vie, mais la vie n'était pas selon cet idéal. Et donc, comme je suis quelqu'un de très passionné et que je n'aimais que l'amour fou et l'amour absolu, je passais ma vie à tomber amoureuse d'hommes avec lesquels je ne vivais pas, bien sûr, puisque j'étais mariée par ailleurs. Et beaucoup de metteurs en scène. La relation entre une actrice et un metteur en scène, c'est une relation absolument fabuleuse. C'est une relation de créativité extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est à la fois un objet, mais un objet mythifié. On donne tout son savoir-faire à quelqu'un qui vous aide à avancer, à être de plus en plus intéressante, de plus en plus forte. C'est une relation. C'est comme si on faisait un enfant à chaque fois, parce qu'un film ou une pièce de théâtre, cette relation elle est de l'ordre de la du don de vie, quoi. C'est-à-dire qu'on fait un objet qui est un enfant, et on en est aussi fiers l'un que l'autre, comme d'un enfant qu'on a fait. Et si on s'aime, s'il y a des sentiments amoureux qui se greffent là-dessus, ce sont des sentiments d'une très grande plénitude. Donc j'avais tendance, évidemment, et en plus, je savais à quel point j'avais besoin des metteurs en scène pour évoluer comme actrice, parce que j'avais beaucoup de travail à faire là-dessus. Et voilà, donc j'avais cette espèce de... je vivais tout le temps dans ce tiraillement entre un petit bonheur pépère à la maison, un petit confort, je dirais plus que bonheur, un petit confort, parce que quand même, je vivais confortablement, j'avais les moyens de vivre confortablement, puis d'un autre côté, mes histoires d'amour à côté sont très fortes. Mais je n'aimais pas cette image de femme, c'était une image fragmentée, je veux dire, j'avais besoin de me reconstituer comme une seule plénitude. Personne. Et c'est ça qui m'a donné la force de partir et de me dire, je préfère repartir à zéro et essayer de retrouver cet idéal de mon adolescence. Quand vous dites « on ne joue pas, on est joué », ça veut dire quoi pour vous ? Alors ça vient de l'immense travail que j'ai fait avec un professeur de chant que j'ai eu la chance de rencontrer assez vite, vers 25 ans je l'ai rencontré, et j'ai travaillé plus de 30 ans avec elle. J'ai joué au Théâtre de la Ville à Paris, qui était dirigé à l'époque par Jean Mercure. Et Jean Mercure savait, et on savait tous, que le Théâtre de la Ville, qui autrefois s'appelait le Théâtre Sarah Bernard, qui était un théâtre à l'italienne, et les théâtres à l'italienne, en rond, comme ça, sont des théâtres avec des très bonnes acoustiques. Et c'était devenu un théâtre moderne, comme un auditorium, et c'était une acoustique épouvantable. Et donc, quand on jouait dans ce théâtre, il fallait avoir une voix vraiment de stentor pour se faire entendre. Et donc, il obligeait tous les acteurs qui étaient engagés au Théâtre de la Ville de prendre des cours de chant avec un professeur qu'il connaissait depuis longtemps, qui venait au théâtre nous donner des leçons. Mais dès la première leçon, cette femme qui s'appelait Geneviève Rex,
m'a regardé, m'a pointé du doigt en me disant « Toi, je ne te quitte pas. Tu vas venir travailler chez moi et on va faire un énorme travail toutes les deux. » Et pendant 30 ans, j'ai fait du chant classique, pas pour devenir chanteuse, je n'ai pas du tout la voix d'une chanteuse classique, mais j'ai travaillé tout. Enfin, je veux dire, tout mon travail d'actrice est passé par le travail que j'ai fait avec cette femme. J'allais quelquefois jouer, travailler tous les jours avec elle. Hein. Quand je jouais une pièce comme Le Partage de Midi, qui est l'équivalent de Wagner pour le théâtre, j'allais faire une heure de vocalise avec elle tous les jours avant d'aller au théâtre, pour avoir vraiment le souffle et la voix. Et alors, à travers la voix, on travaille tout. On travaille le mental, on travaille le souffle, on travaille l'interprétation, mais d'une façon virtuelle, c'est-à-dire qu'on prépare l'instrument. Et un jour, elle m'a dit, on ne chante pas, on est chanté. Oh, j'ai ruminé cette phrase. Et j'ai pensé qu'elle avait totalement... C'est l'ouverture d'un monde incroyable. C'est-à-dire, on ne doit pas préparer les choses et les enfermer dans un code, dans une interprétation fermée. Il faut être, au contraire, totalement disponible, disponible au texte, disponible à l'auteur, disponible au metteur en scène, disponible à l'émotion qui va naître en scène. Il faut tout préparer, comme un terrain d'aviation, mais vraiment préparer, baliser tout. Et après, il faut arriver presque, pas vide, mais transparent. Voilà, transparent. Il faut arriver à la transparence du cristal qui fait que les choses vous traversent et arrivent au public, mais on n'est que l'instrument du passage. C'est jamais nous. Et c'est le travail que j'ai fait avec le chant, mais même simplement le physiquement, pour que les cordes vocales soient à la disposition de toutes les notes qu'on a à jouer, il faut que tout soit ouvert. En fait, tout le travail, c'est un travail d'ouverture. Il faut que les os du crâne soient assez disponibles pour qu'ils puissent résonner. Il faut que tout ça soit ouvert. Il faut que ça soit ouvert jusqu'au coccyx. Il faut que ça soit ouvert jusqu'à la plante des pieds. Il faut que tout s'ouvre. Et à ce moment-là, tout passe à travers vous. Mais c'est un travail de longue haleine. Hein. Et je pense qu'il y a que peu de gens qui le font, ce travail en conscience. Il y en a qui l'ont naturellement, ne serait-ce que les chanteurs lyriques. Ils ouvrent la bouche et la voix passe à travers eux. Après, ils n'ont plus qu'à essayer de la conserver et à la modeler pour qu'elle ne s'en aille pas. Bon, mais des gens comme moi qui n'avaient pas ça au départ, moi, je n'étais pas si douée que ça hein, au départ. Je n'étais même pas spécialement douée. Peut-être que mon oncle avait raison. Peut-être que si je n'avais pas eu l'espèce de passion du travail que j'avais, moi, je pense que c'est ça, ma principale vertu, c'est le travail et l'amour du travail. Et je pense que c'est vraiment le lièvre et la tortue. Hein. Il y en avait des lièvres hein, devant moi quand j'ai commencé. Mais moi, avec mon travail de base, je suis mais comme une... Je ne m'arrête jamais de travailler et j'adore ça. Et donc, c'est ça qui fait que je finis par progresser quand même. Et il y a un travail immense de la voix, il y a un travail aussi de la mémoire. J'imagine que quand on apprend autant de textes que vous en avez appris, d'abord, est-ce qu'on les garde tous en mémoire ou est-ce qu'un texte, efface l'autre ? Il y a des acteurs, vous passez des soirées avec eux, ils sont capables de vous réciter mes 50 tirades, des poèmes et tout. Moi, je ne suis pas capable. La mémoire, c'est chacun a la sienne. C'est vrai qu'il vaut mieux en avoir pour faire ce métier, mais on la travaille là aussi. C'est vrai que tous les gens, quand on joue une pièce un peu longue, un peu difficile, viennent nous voir en disant « Oh mon Dieu, mais comment vous faites pour apprendre tout ça ?» Moi, j'ai plus d'admiration pour les musiciens, par exemple. Un pianiste qui joue je ne sais pas combien d'œuvres à la fois. Je connais un pianiste avec qui je travaille, François-Frédéric Guy, pour ne pas le nommer, qui est capable de jouer en 6 soirées toutes les sonates de Beethoven, sans partition, sans rien. Chaque soir, il en joue plusieurs, et à la fin de la semaine, il a tout joué. Ça m'impressionne, hein. Mais nous, on a, c'est un peu comme un ordinateur, c'est-à-dire que quand on sait par exemple qu'on joue une pièce, la pièce que je vais venir jouer ici en octobre, Opening Night. Le 9 octobre. Salle Poirel. C'est une pièce qui est assez difficile au niveau du texte, parce qu'on est deux en scène, mais vraiment, 9/10 du texte, c'est moi qui le dis, et c'est toujours dans la précipitation et tout. Tant que je sais que je joue la pièce, je la joue déjà depuis plusieurs années, je la joue, je l'arrête, je recommence, je joue un jour, je joue 3 jours... Mais elle est gardée dans ma mémoire, je tire le tiroir au moment où j'en ai besoin. Le jour où je saurai que je ne joue plus cette pièce, elle va partir dans les limbes au profit d'autre chose.
Mais c'est vrai que c'est la moindre des choses, quand même, le travail sur la mémoire. Mais c'est du travail, hein, c'est pas donné. Certainement. Vous avez parlé tout à l'heure du partage de Midi, de Claudel, évidemment. Il y a un rôle dont vous dites que vous auriez raté votre vie si vous ne l'aviez pas joué, c'est Isée dans le partage du Midi. En 85, cette pièce a été créée, vous êtes partie pendant 3 ans en tournée. Pourquoi ce rôle est tellement exceptionnel pour vous, cette pièce dont Claudel avait écrit justement à Jean-Louis Barrault, ce n'est pas une pièce comme une autre, je l'ai écrite avec mon sang. Parce que c'est une histoire vraie qui est arrivée à Claudel. Il est tombé jeune, il partait pour un de ses premiers postes en Chine comme attaché d'ambassade, et il est tombé fou amoureux d'une femme qui était mariée, qui s'appelait Rose, qui était mariée, qui avait même des enfants. C'était un amour impossible. Et de cet amour impossible, il a eu une fille, d'ailleurs, et qu'il n'a pas reconnue. Parce que Claudel, il est un grand, grand auteur, mais... Enfin, bon. Et donc, avec sa chair, son sang et sa douleur, sa frustration de cette femme qu'il avait tellement aimée, il a écrit cette pièce qui s'appelle Le partage de Midi, qui est une pièce invraisemblable, incroyable. Enfin, toutes les pièces de Claudel sont incroyables, mais celle-là, et surtout ce personnage de femme qui s'appelle Isée, qui en fait, moi je l'aime parce qu'elle représente toutes les femmes en une. Elle est à la fois une admirable femme et en même temps une femme immonde. À la fin, elle trahit son amant, elle sait qu'il va mourir à sa place, elle le laisse dans un endroit, il y a une révolte en Chine, il va mourir là. Et, bon, elle le trahit complètement, c'est une espèce à la fois de femelle et en même temps une femme d'une spiritualité incroyable. Elle est surtout, c'est là où c'est le plus exprimé que dans un amour entre un homme et une femme peut être l'accoucheuse d'un homme. Elle est là pour l'accoucher de lui-même. Et ça, c'est une idée qui m'est très chère. Elle m'est très chère, cette idée, parce que je pense que moi-même, dans ma vie, je suis devenue moi-même, enfin, j'ai eu un commencement d'identité le jour où j'ai mis au monde mon premier enfant. C'est la maternité qui m'a donné ma forme. En tant que jeune fille, j'étais assez informe, j'étais un peu en kit. Et c'est la maternité qui m'a permis de commencer à construire quelqu'un à partir de ces morceaux disparates. Et je suis très touchée, et j'ai souvent cette relation avec des hommes, pas forcément des hommes avec qui j'ai une relation amoureuse, mais même des amis. Et plus ça va, plus je vieillis, et plus j'ai cette relation-là, de les aider à trouver leur propre chemin et à accoucher d'eux-mêmes. C'est quelque chose que j'aime énormément. Au fond, j'aurais aimé être sage-femme, mais j'aime mieux être sage-femme des âmes, d'ailleurs, que des corps. Et cette Isée, elle a ça. Tous les autres aspects du personnage sont balayés par cette force-là. Et c'est ça qu'elle est dans le premier acte, qui se passe sur un bateau, où lui part donc pour son premier poste, et lui surtout, il a voulu être séminariste, et on l'a refusé comme séminariste, et on lui a dit qu'il n'était pas fait pour être prêtre, et donc il se sent rejeté par Dieu, et il tombe amoureux de cette femme qui, d'une certaine façon, lui montre la voie de lui-même par cet amour qu'elle lui inspire. Et après, même si elle part avec un autre homme, elle a une autre aventure, au milieu de ces 3 hommes, comme ça, je trouve que c'est une très grande figure de femme, parce que justement elle représente toutes les femmes, quoi. C'est assez rare, hein, un rôle où on a à la fois le pire et le meilleur à jouer à l'intérieur du même personnage. Vous savez que vous me semblez finalement très sage comme femme, Marie-Christine. Si j'ai parlé aussi du partage du Midi, c'est parce que on est en 85, vous partez pour 3 ans de tournée et on arrive à l'année 88. Vous n'aimez pas les polars. Et pourtant, en 88, vous voilà juré du festival du film policier de Cognac. Quelqu'un d'autre est juré avec vous, c'est Roger Vadim. Et voilà le coup de foudre, ce long chemin pour arriver jusqu'à toi. On y arrive. Quelle vision avez-vous de Roger Vadim au moment où vous le rencontrez? C'est quand même l'homme qui aimait les femmes. Ah oui, oui. Bardot, Fonda, Deneuve, et d'autres. Stromberg, et d'autres.
D'ailleurs, vous avez cette phrase que je trouve assez extraordinaire. Il avait aimé Brigitte Bardot, Annette Stroyberg, Catherine Deneuve, Jeanne Fonda, Catherine Schneider, pour ne citer que les plus connues, et toutes l'avaient quitté. J'avais aimé de mon côté Daniel Toscan-Duplantier, Claude Santelli, Michel Boiron, et bien d'autres encore plus furtivement, mais tous je les avais quittés. Et voilà. Non, j'avais pas de vision spéciale de Vadim. C'est très difficile à dire. J'étais pas du tout midinette par rapport à lui. De toute façon, moi, je suis pas très midinette. À part Victor Gassman, va savoir pourquoi. Mais Gassman, c'était à cause de parfums de femmes. Mais ça laissera un lien avec Nancy, quand même. Oui, ça reste. Oui, je me rappellerai toujours. Je montrerai l'endroit. Oui. Peut-être on pourrait mettre une plaque. Quand vous reviendrez en septembre. Non, alors Vadim, non, mais quand même, c'est toujours étrange. On doit avoir un pressentiment, mais parce que avec une cruauté inconsciente, moi à ce moment-là, je vivais avec un homme qui s'appelle Michel Boiron, il est mort. Ils sont tous morts de toute façon. Autour de moi, c'est un cimetière. C'est terrible. Et donc Michel Boiron, avec qui je vivais encore, mais bon, avec une certaine lassitude de ma part, il faut le dire. Je commençais à proposer des solutions style on pourrait habiter deux appartements, on se verrait souvent, mais pas forcément tout le temps. Enfin bon, j'essayais une porte de sortie jolie, élégante. Et là-dessus, je savais qu'il s'était très très bien, il s'était beaucoup fréquenté avec Vadim, puisque Michel Boiron avait tourné un film avec Brigitte Bardot qui s'appelait « Cette sacrée gamine », qui était un des tout premiers films de Brigitte Bardot, à l'époque où Brigitte Bardot était mariée avec Vadim. Et je pressentais qu'il s'était connu, donc je lui ai demandé, je vous dis avec une cruauté terrible, je lui ai dit « Comment il est ce Vadim, puisque je vois qu'il est dans le jury avec moi ?» Et lui ne m'a dit que du bien de lui, en me disant « Non, mais c'est pas du tout ce qu'on croit, c'est quelqu'un de cultivé, d'intelligent, de fin, de sensible, c'est un homme de la Renaissance qui s'intéresse à tout. » Voilà. Et c'est là que je vois quand même que Michel Boiron était quelqu'un de vraiment bien, je le savais, mais quand même, parce qu'il a été dévasté dès la première seconde quand il a su que je partais là-bas, il s'est dit « Elle va tomber amoureuse de lui, c'est sûr. » Et malgré ça, il m'en a pas dit un mot désagréable. Et il se trouve aussi que quatre ans avant, j'avais tourné un film aux États-Unis avec un acteur prestigieux qui est John Voight, un film qui s'appelle toujours Table for Five. Et le scénariste du film, avec qui j'avais eu une rêve idylle, était le meilleur ami de la jeune femme avec laquelle Vadim vivait à l'époque là-bas à Los Angeles, parce que lui vivait à Los Angeles, Vadim, qui s'appelait Anne Biederman et qui était scénariste. Et donc, pendant tout le temps du tournage à Los Angeles, on avait tourné dans toute l'Europe, plein d'endroits magnifiques, mais pendant tout le temps du tournage à Los Angeles, David Salzer me disait « Oh, faut qu'on organise une petite soirée avec Anne Biederman et Vadim, que tu aies au moins un peu l'occasion de parler français, puis de rencontrer quelqu'un de chez toi. » Et ça, c'était pas fait. C'est une chance d'ailleurs. Enfin, on est revenu là-dessus, mais mille fois avec Vadim, en disant « Si on s'était rencontré à ce moment-là, on aurait quand même gagné un peu de temps, parce que c'était quatre ans avant, on aurait vécu... Mais est-ce qu'il se serait passé quelque chose ? Est-ce qu'on était dans le mood et tout ça ? C'est pas tout de rencontrer la bonne personne, il faut que ça soit au bon moment aussi. Hein. Et donc, voilà. Donc, je partais avec une curiosité qui est dans mon caractère, mais pas d'idées préconçues. Et surtout, je me souvenais tellement de ce que Madeleine Renaud m'avait dit, que j'avais pas un physique pour faire du cinéma. Je me disais... Le physique que j'ai ne peut pas plaire à un homme comme Vadim, qui n'est attiré que par des femmes qui sont la perfection physique. Et moi, je n'ai jamais pensé que j'avoisinais rien qui pouvait ressembler à de la perfection. Je me disais, il va voir que je suis trop grosse, trop ceci, trop cela, enfin vraiment tous les défauts de la Terre. Je n'étais pas trop grosse à l'époque. Heureusement, c'était une période où j'étais plutôt mince. Et en tout cas, grosse ou mince, je lui ai plu. C'est le moins qu'on puisse dire. Je lui ai plu, mais alors lui, il m'a plu tout de suite. Mais enfin, il m'a plu. Il était la et c'est séduction vous qui avez pris l'initiative. Alors, il était la séduction, fait. Vous avez pris une feuille alors, du papier. Pendant quatre jours, c'était comique. On assistait à deux aimants qui se rapprochaient l'un de l'autre. On était de plus en plus près, on s'asseyait à côté. Mais il ne se passait rien, on était très discrets. Il ne se passait rien. Et alors, voilà. Il faut que je raconte quand même ma petite... Ah oui. Voilà. Parce ah oui. Alors, le dernier soir, je voyais bien que...
Moi, je partais, je retournais avec ma... J'étais en tournée avec une pièce de théâtre formidable de O'Neill, qui dure 6 heures, qui s'appelait L'étrange intermède, à Agen. J'allais jouer à Agen, et on était à Cognac. Puis je lui dis, lui, il est remonté à Paris, je ne savais pas. Je me disais, mais comment on va faire pour se retrouver? Enfin, l'angoisse totale, parce qu'on ne s'était rien dit, rien. Et là, on était autour de la table pour donner les prix au film dont je n'avais rien à fiche, mais rien. Et lui, pareillement, mais vraiment, tout le monde s'est... Il s'est écharpé, oui, celui-là, machin, on s'en fiche. J'ai pris les petits papiers qu'on avait pour voter et je lui ai mis. Êtes-vous obligé de rentrer à Paris demain directement? Oui, non, deux petits carrés comme ça. Alors oui, j'ai mis une flèche en dessous, tant pis. Non, j'ai mis, voulez-vous m'accompagner à Agen pour retrouver ma pièce, ma compagnie de théâtre et tout ça. Et alors, évidemment, j'ai passé le petit papier. Tout le monde a pensé qu'on était en train de tricher pour les films dont on se foutait. Et il a pris le petit papier, évidemment. Oui, 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 je ne suis pas... Non, je ne suis pas obligée de rentrer à Paris. Oui, je vous raccompagne à Agen demain. Et c'est comme ça qu'on est parti le lendemain. Voilà. Et c'est parti pour 12 ans. Oubliez votre système, petit système, là. Évidemment, j'étais dans le ciel. Mais je n'étais pas sûre non plus que c'était quand même... On était... A priori, quand même, on arrivait de deux mondes différents, quand même. D'abord, lui, il habitait Los Angeles. Il n'était en France que pour quelques mois. J'avais l'impression qu'il appartenait à un autre monde, le monde du cinéma, tout ça. Moi, j'étais quand même... Je suis vraiment une actrice de théâtre, même si je fais du cinéma de temps à autre. J'ai fait beaucoup de films, mais ma vie, c'est la vie d'une actrice de théâtre qui va jouer tous les soirs. Je ne savais pas du tout comment tout ça allait pouvoir se mettre ensemble. Puis, je ne savais pas Je voyais bien dans sa filmographie, mais surtout dans sa vie, qu'il n'avait jamais vécu très longtemps avec la même femme. Moi non plus, d'ailleurs, finalement. Mais je me disais... Voilà, je ne faisais pas de projet à long terme. Je me vois encore. Puisque ça se passait, tout ça se passait en fin avril, donc début mai, tout ça. Le premier été, on est parti, il m'a emmené à la montagne, en Haute-Savoie. Déjà, je trouvais que c'était vachement bien. Il ne m'a pas emmené dans des endroits, soit branchés, tout ça. Il m'a dit, je vais te faire connaître ce que j'aime le plus au monde, la montagne. Où il avait passé son enfance avec sa mère, qui tenait une auberge de jeunesse et tout ça. Et donc, on a été à la montagne. Et là, je me vois encore montant la route dans la voiture. Et je lui dis, mais je ne sais pas ce que je donnerais pour qu'une petite souris nous mette dans 5 ans. Je me disais, est-ce qu'on sera encore ensemble dans 5 ans? Je ne savais pas si ça allait durer ou pas. C'était tellement inouï ce qui arrivait. Bon, c'était... Bon, voilà, j'étais amoureuse. Ouais, lui aussi. Et puis, voilà. Nous sommes les enfants du miracle, vous a-t-il écrit. Ah ouais. Si vous aimez les mots, lui aussi les aimait beaucoup. Il n'y a quasiment pas eu de jour où il ne vous a pas écrit une lettre. Tous les matins, vous trouviez une lettre à votre réveil. Il y a d'ailleurs beaucoup de lettres de lui dans ce livre. Est-ce qu'il y en a une que vous nous liriez? J'en ai des tiroirs pleins de lettres, parce que c'est vrai qu'il m'écrivait sous le même toit, mais c'était l'être le plus romantique qui soit, c'est-à-dire mais romantique au sens vrai du terme, c'est-à-dire mettant la passion au centre de sa vie. En même temps, il pouvait être désespéré, je veux dire, parce qu'il y a aussi toute une liste de lettres de rupture, mais des lettres de rupture qu'il ne m'envoyait pas, parce qu'au début, il a trouvé que j'y mettais trop de temps à vivre avec lui, à tout laisser tomber, à tout... J'étais quand même dans une situation un peu délicate vis-à-vis de Michel Boiron avec qui je vivais, tout ça. Je disais, il faut faire les choses avec tendresse, avec gentillesse et tout ça. Et lui, bon, alors il m'envoyait tout le temps des lettres de rupture. Et en vérité, c'est des lettres que je ne recevais pas, ça. Je les ai retrouvées plus tard, dans des tiroirs. C'était des propositions de lettres de rupture. Mais les vraies lettres d'amour, il les écrivait quand on vivait ensemble. Alors, il me les écrivait pendant que je dormais ou dans la journée. Et j'avais des lettres tout le temps. Je veux dire, c'est extraordinaire de vivre avec quelqu'un qui vous envoie des lettres d'amour. Donc, j'en ai des tiroirs pleins. Alors, j'en ai mis quelques-unes, celles qui peuvent être lues par tout le monde. Et même dans le livre, il y en a que je n'ose pas vous lire. De vous lire à voix haute, vous les lirez si vous achetez le livre. Et celle-là est très, très jolie. Samedi, ma chérie. Enfin, en plus, les lettres, il me fait tellement de compliments que c'est un peu gênant, mais enfin bon. Tu es une femme intelligente, sensuelle et généreuse, un rêve pour mari, amant et enfant. Je te l'ai dit souvent, mais il y a cette chose de plus, scintillante et pourtant impondérable, une rumeur, un goût, une couleur, des sentiments qui donnent envie de remercier. Comme un miracle qui ne se cristallise pas en quelques secondes, mais s'étale,
se rivièrent au fil des jours. En rêve, avant de te rencontrer, j'avais parfois éprouvé des émotions, des sensations que je n'avais jamais connues. C'est ce qui m'arrive au quotidien depuis que je te connais. Tu es mon amour fiction, ma science du bonheur. Je ne suis pas un pleureur, mais il me vient à chaque instant de la journée des envies de larmes, d'extase, dont tu es la source. J'ai dit oui à la mairie, je te dis oui encore et toujours, je t'aime, Vadim. C'est beau. Vous avez dit oui à la mairie, effectivement, mais vous lui avez interdit de dire que vous étiez sa femme. Je ne voulais pas qu'il dise « ma femme ». Je déteste cette expression. Ça fait possesseur, ça fait propriétaire. Donc je lui disais, d'ailleurs il ne le disait pas, mais enfin je lui dis « ne t'avise pas un jour de dire ma femme », même devant le plombier. Hein. Et alors il disait toujours « ma blonde ». Ou ma fiancée. Alors les gens étaient surpris parce que comme ils savaient qu'on s'était mariés, ça avait été dit dans les journaux. Ils disaient, mais vous n'êtes pas mariée. Je disais, si, mais fiancée, c'est tellement plus joli. Fiancée, c'est tellement une promesse de je vais t'aimer toujours. Moi, je trouve que c'est plus une promesse. Donc voilà, il m'appelait pas ma. Et ce long chemin pour arriver jusqu'à toi, c'est une phrase que vous lui avez dite le jour du mariage, qui est extraite d'un film. C'est une phrase que j'avais mise déjà dans mon premier livre. C'est une phrase qui est à la fin d'un film de Robert Bresson qui s'appelle Le Pickpocket. À la fin, l'homme vient vers la femme et lui dit, mais en même temps, je voudrais être sûre qu'elle est exacte, la phrase. Quel long chemin il m'a fallu parcourir pour arriver jusqu'à toi. Et j'adore cette phrase parce que pour moi, la vie, c'est vraiment un chemin. C'est vraiment un chemin, mais toutes les vies sont un chemin. Il y a l'autre phrase aussi que j'ai envie de vous raconter. Mon premier livre, il s'appelle Le cheval dans la pierre. Et Le cheval dans la pierre, c'est une histoire que j'adore. C'est l'histoire d'un sculpteur à qui on commande une sculpture pour une petite ville, enfin un quartier, dehors, sur une place. Il fait venir un énorme bloc de pierre. Et tous les enfants du voisinage viennent voir ce bloc de pierre. Et puis, c'est l'été, ils partent en vacances. Et quand ils reviennent, le sculpteur a sculpté un cheval. Et il y a un des enfants, tout petit enfant, qui admire et qui est là, et qui va voir le sculpteur et qui lui dit « Elle est jolie, ta statue. Mais comment tu savais que le cheval était à l'intérieur de la pierre ?» J'adore cette histoire. Ça, pour moi, c'est la vie. C'est notre vie à tous, de faire arriver et faire sortir ce cheval. Il y a cette idée-là, et puis l'idée du chemin. L'idée vraiment que naître, c'est prendre la route jusqu'à la mort, et que tout ce chemin, c'est plus important le chemin que les étapes du chemin, que les réussites ou les ratages. C'est l'idée que chaque jour, on a fait un petit pas par rapport à la veille. Et alors, quand on vieillit, ce qui est extraordinaire, c'est de se retourner, et comme le petit poussé, de se dire qu'il y a plein de pierres qu'on a laissées sur le chemin. On rencontre des gens qui vous disent, oh, un jour, vous vous rappelez des gens qu'on a connus ou des gens qu'on n'a pas connus, parce que dans le métier que je fais, il y a énormément de gens qui ont des souvenirs avec moi, mais c'est eux qui les ont avec moi, c'est pas moi avec eux. Mais en même temps, quand ils me disent, un jour vous avez dit ça, un jour vous avez joué ça, ça m'a aidé, ça m'a donné du courage, ça m'a donné une réponse à une question que je me posais et tout. Et je me dis, tout ça, c'est des petits cailloux qu'on a semés derrière soi. Et ça, c'est aussi l'idée du chemin, et que le chemin, il n'est pas vide. Qu'on a laissé des traces. Alors, le bout du chemin pour Roger Vadim, c'est le 11 février 2000, après 2 ans et demi d'un cancer terrible. Je suis sûre que beaucoup d'entre nous ont encore les images à Saint-Tropez qu'il avait lancé avec bébé, de ce cercueil avec toutes ces femmes derrière. Je sais que Catherine Deneuve vous a donné sa bague de fiançailles au moment de sa mort. Quel lien aviez-vous avec ces anciennes femmes et quel lien éventuellement avez-vous conservé d'ailleurs ? Moi, je n'avais pas de lien particulier avec aucune, sauf la dernière qui n'est pas comédienne, qui s'appelle Catherine Schneider, et qui a tout de suite été une grande amie pour moi. Parce qu'il y a une chose qui est invraisemblable, c'est que Vadim, il est resté ami avec toutes ces femmes. Voilà, il est resté. Enfin, ce n'est pas invraisemblable parce que moi aussi, je suis restée amie avec mes ex. Mais c'était quelque chose qu'on partageait, cette idée de fidélité à un moment de notre vie. C'est-à-dire, c'est pas parce que l'histoire d'amour elle-même a mal tourné en tant qu'histoire d'amour que la personne n'a plus grâce à nos yeux.
Sauf, c'est pour ça que c'est tragique quand on se fait du mal au moment des divorces, parce qu'après, ça entache quand même beaucoup les relations. Mais lui, non, il avait eu des divorces heureux, si j'ose dire. En plus, il avait quand même 4 enfants avec 4 femmes différentes, donc ces femmes étaient quand même les mères de ses enfants. Et donc, lui, gardait des très bons... On avait vu certaines, quand on avait vu plusieurs fois Brigitte Bardot, on avait vu plusieurs fois Jane Fonda, soit en Amérique, quand on allait en Amérique, soit à Paris, quand elle venait à Paris. On les avait toutes vues, mais je n'avais pas de relation amicale personnelle, à part Catherine Schneider, qui est toujours... une amie, qui a toujours été une amie, qui a été très présente, justement, particulièrement au moment de sa mort, mais même avant. Elle nous a fait avoir l'appartement dans lequel j'habite toujours, qui est un appartement absolument magnifique, avec une vue sublime dans Paris et tout. Elle s'est installée au 3e étage, et c'était un appartement qui était alloué. Inutile de vous dire, quand un appartement comme ça est alloué, il y a une liste d'attente de folie pour l'avoir. Et nous, on est arrivés quasiment les derniers, et elle a été, sûrement les derniers d'ailleurs, et elle a été voir les propriétaires, c'était pas une grosse banque, je sais pas quoi, en leur disant qu'elle habitait au 3e et qu'il fallait faire du regroupement familial parce qu'elle avait son fils de 15 ans qui avait jamais vécu près de son père et qu'il était indispensable que son père habite au 5e et sa mère au 3e, que grâce à ça, il allait enfin avoir une vie de famille. Et on a eu l'appartement, on a signé le contrat le lendemain ou le surlendemain. Donc c'est pour vous dire quand même qu'on était assez liés. Mais moi, j'étais extrêmement touchée, bien sûr qu'elle soit là à l'enterrement, mais elles étaient même là avant. Jane Fonda est venue passer 15 jours à Paris pendant qu'il était à l'hôpital pour pouvoir venir le voir tous les jours et passer des moments avec lui. Et elle n'est pas restée vraiment jusqu'à sa mort, il fallait qu'elle rentre. Et je me rappellerai toujours, c'était 8 ou 10 jours avant sa mort, elle est sortie de la chambre après lui avoir dit au revoir. Nous, on était dans le couloir, on attendait qu'elle soit sortie. Et elle nous a regardés, puis elle dit... Ah non, c'est pas possible d'imaginer que je ne le reverrai plus. Elle est re-rentrée dans la chambre pour le re-embrasser, le re-dire au revoir. C'était extrêmement émouvant. Et Catherine Deneuve, qui n'avait pas gardé des bons rapports avec lui, qui m'a supplié à travers son fils de pouvoir le voir, alors que lui, il avait envie de voir le moins de gens possible, et surtout pas elle. Et j'ai insisté, parce que je pensais que c'était pas possible. On peut pas mourir avec des arrière-pensées, c'est pas possible. Et donc, ils se sont revus, ils ont passé un long moment, et je pense que ça a été sûrement très, très joli, parce qu'en sortant, elle m'a dit « je crois que je vais revenir », et là, pour le coup, elle n'a pas eu le temps. Alors, ce livre dont je disais au départ qu'il vous l'avait laissé comme un devoir de vacances... Alors, la phrase est très, très jolie. Un matin, comme ça, à 3 jours de sa mort... Après une nuit difficile, je lui ai demandé s'il avait des regrets, s'il y avait des choses qu'il aurait aimé faire, qu'il n'avait pas eu le temps. Il m'a dit non, 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 j'ai une belle vie. Enfin bon, il m'a dit certaines choses. Il m'a dit, et toi, qu'est-ce que tu vas faire quand je ne serai plus là? Et je lui ai dit que j'allais chanter les chansons dont il avait écrit les paroles, et on était en train de les préparer et d'avancer. Mais on n'avait pas encore de date pour le faire, mais c'était prévu. Et que j'allais donc écrire ce livre, parce qu'en fait, ce livre, je pensais le faire avant même qu'il meure, parce que le premier livre que j'ai écrit, Le cheval dans la pierre, il s'arrêtait à ma rencontre. Il y avait juste la rencontre, et ça s'arrêtait. Mon idée, c'était que peut-être on pouvait écrire un livre ensemble, à 4 mains, voilà, en dialoguant sur notre histoire. Et donc, je lui ai dit, je vais écrire, mais je savais que ce livre devait être fait. Et je lui ai dit, je vais écrire le livre sur toi, sur moi, sur nous ensemble et tout. Et il m'a dit, voilà. C'est très bien, tu vas faire tout ça. Et il m'a dit, je te laisse, je pars, en te laissant des devoirs de vacances. Oh, je suis sortie éblouie d'une phrase comme ça, éblouie, bouleversée bien sûr, mais éblouie, parce qu'il m'a dit, je te laisse des devoirs de vacances. Mais si on approfondit bien cette phrase, ça veut dire, t'oublie pas, hein, t'oublie pas de continuer à vivre, t'oublie pas à la fois... Tu n'oublies pas tout ce qu'a été notre vie, notre bonheur, tout ce qu'a été la force qu'on a partagée ensemble, la force de vie, et tout le bien qu'on s'est fait, mais en même temps, tu continues. Et moi, j'avais pensé, en sortant, je me disais, voilà, le livre, il va s'appeler « Devoir de vacances ». Et c'est là que je me disais « Devoir au singulier et vacances au singulier ». Mais bon, l'éditeur m'a dit, ça rappelle à tout le monde tellement de mauvais souvenirs, les devoirs de vacances, qu'on va essayer de trouver un titre... plus chaleureux. Et vous avez mis 10 ans pour le publier et 10 ans pour l'écrire ou vous Non, avez j'ai pas contraire... mis 10 ans pour l'écrire. J'ai essayé pendant 10 ans, mais comme je disais, il faudrait que je sois sponsorisée par Kleenex au début, parce que je pleurais tout le temps. Je pleurais
je pleurais parce que j'extirpais de moi des choses qui étaient à la fois le comble du bonheur et le comble du malheur. Et donc, c'était très, très difficile de naviguer au milieu de tout ça. Alors, je passais, je disais, bon, allez, on verra. J'ai pas fait des tentatives constantes. J'essayais de temps en temps, je noircissais quelques pages et puis je m'arrêtais. Mais j'ai un éditeur qui est très patient, il me dit, je sais qu'un jour tu vas t'y mettre et ce jour-là, ça sera le bon. En fait, les écrivains sont venus à votre secours parce que très vite, vous avez joué à nouveau, vous êtes parti en tournée. Il y a eu Claudel à nouveau avec Donia Music dans votre tournée. Ah, mais j'ai pas arrêté de travailler. Le travail m'a... C'est pas que le travail m'a sauvée, parce que le mot sauver est pas juste, mais le travail m'a constitué une force de vie incroyable. Depuis sa mort, j'ai encore plus travaillé qu'avant. Ça, je sais même pas si c'est possible, mais quand même, si. C'est-à-dire que je n'ai fait que ça, que travailler et aimer la vie, quoi. Aimer la vie à travers l'action de grâce d'avoir vécu une si belle chose avec lui, une si belle aventure, 12 années de lumière. Je me le dis tout le temps, s'il revient aujourd'hui ou s'il me voit de là où il est, il faut que je sois la personne qu'il a aimée. Il n'est pas question d'être autre chose, il n'est pas question de devenir une personne triste. Il a aimé une personne gaie qui portait la joie de vivre en soi. Il m'appelait le ravi de la crèche. Au début, j'étais étonnée parce que c'est pas trop ma culture, les santons provençaux. Mais après, j'ai dit, c'est quoi le ravi de la crèche ? Vous savez, il y a toujours un petit personnage à côté de la crèche, avec la banane là, jusque-là, comme ça, qui est très content parce qu'il trouvait que j'avais toujours l'air, que je portais la joie de vivre en moi. Et donc, je me dis, cette joie de vivre, c'est ça qu'il a aimé. Il n'est pas question de ne pas la conserver jusqu'à mon dernier jour. Ça m'a... Je vis depuis 11 ans le deuil, mais je dis haut et fort que ça n'est pas quelque chose de triste à vivre, un deuil. C'est une expérience absolument transcendante de vivre un deuil, d'avoir aimé quelqu'un, et ce quelqu'un, moi je crois à la vie éternelle, donc je pense qu'il est forcément quelque part, pas avec son apparence physique et ça, mais son âme. D'ailleurs, j'ai ressenti quelque chose de très fort au moment de sa mort, que j'ai vécu vraiment avec lui. Hein. Je peux dire que j'ai vécu sa mort comme un accouchement, à l'envers. C'est-à-dire que j'ai vraiment respiré avec lui, et jusqu'au moment où lui n'a plus respiré, mais moi, je respirais avec lui, j'avais sa main sur mon ventre. Et j'ai dit, on dit, dans la façon de parler courante, il a rendu l'âme. Eh bien, je dis, mais c'est drôle, c'est pas l'âme qu'on rend quand on meurt, c'est le corps. On rend son corps, qu'on va mettre dans la terre ou brûler, mais on rend son corps. Mais l'âme, elle est libérée, on la rend pas, elle est libérée. Et vraiment, cette âme libérée de la personne qu'on aime, on est en rapport constant avec elle. Et je pense que si vraiment on le vit à fond, on n'est plus vraiment au niveau de la terre, on est au-dessus, on est déjà presque sur le chemin de l'éternité. Et je trouve que c'est extraordinaire à vivre. C'est vrai que ça fait mal, hein. Moi, je me suis vue souvent couchée sur ma moquette du salon, en pleurant et en me disant, c'est pas possible de penser que je ne le reverrai plus, que je ne le toucherai plus, que je l'embrasserai plus, que je ne parlerai plus. Il me manque sur des plans très précis, qui ne sont pas forcément d'ailleurs les plans les plus amoureux, mais il me manque par exemple par son intelligence qui éclairait un nombre de choses incroyables. Le moindre événement, par exemple le 11 septembre 2000, je ne sais plus, 2001, oui, 2001, le 11 septembre, je me disais, voilà, il serait là, il m'expliquerait tout de suite pourquoi ça s'est passé le 11 septembre et comment et pourquoi. Il a fallu que je lise je ne sais pas combien de journaux, de livres, de parler avec des gens. Lui, il avait cette intelligence, cette connaissance. Il était vraiment d'une intelligence et d'un esprit d'analyse extraordinaire et de synthèse aussi, parce qu'il avait tout. Enfin, je veux dire, c'est un homme tellement cultivé qu'il pouvait aussi bien prendre comme exemple ce qui s'était passé au XIIe siècle. Donc, ça, c'était fascinant. Donc, ça, pour ça, c'est un... irremplaçable, ça.
Évidemment, sa fantaisie de la vie. Je veux dire qu'il n'y avait rien d'ennuyeux dans la vie quand on vivait avec quelqu'un comme lui, parce qu'il était capable de rendre la chose la plus ennuyeuse du monde drôle. Par exemple, il perdait tout. Il était la distraction faite homme. Alors, il perdait ses clés régulièrement, il les oubliait dans la maison, mais il fermait la porte. Donc, il fallait... Alors, on appelait les pompiers, on montait avec l'échelle, tout le quartier était là. Ah, c'est Vadim qui a oublié ses clés. Enfin, je veux dire, tout devenait... Un jour, on était au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, à Santa Fe. Et malheureusement, je n'avais pas regardé les billets d'avion. C'était lui qui s'en était occupé. C'était une erreur. Et on arrive à Albuquerque pour prendre l'avion. Et on rend la voiture de location et tout. Et on arrive. Et là, il s'était complètement trompé dans l'horaire d'avion. C'est-à-dire qu'il avait pris l'arrivée pour le départ ou je ne sais plus. Enfin bref, l'avion était parti. Donc on était à Albuquerque. On n'avait plus de voiture de location. Il n'y en avait plus et tout. Bon, évidemment, dans un premier temps, on a envie de dire « Mais t'es complètement fou, mais comment t'as fait ça ?» et tout. Puis, instantanément, on a retrouvé la voiture, on a passé une journée dans une réserve d'Indiens et tout. On a trouvé une chambre d'hôtel, et après, j'ai dit « Mais s'il n'avait pas fait cette erreur de billet d'avion, on n'aurait pas passé cette journée extraordinaire. » Tout, c'était un... Comment ça s'appelle, les gens qui font de l'or avec des... Hein ? Alchimiste, ah, voilà, c'est un alchimiste. Il rendait tout, mais vraiment le moindre événement de la vie devenait fulgurant, lumineux, amusant, fantaisiste. Enfin, c'est un grand créateur de vie. D'ailleurs, je pense que c'était ça, sa plus grande vertu, sa plus grande qualité. Bien sûr, c'était un artiste, bien sûr, il avait du talent et tout, mais c'était un créateur de vie. Et sa propre vie était une création. Donc, vivre avec quelqu'un comme ça, quand il n'est plus là, il faut relever ses manches. Hein. Mais en même temps, il m'a mis à bonne école. Et depuis, j'ai vraiment l'impression que je vis mieux, pas qu'avec lui, mais qu'avant. Ah là là, oui. Vous vivez selon Vadim, en fait. Selon Vadim. Alors, Marie-Christine, il reste 10 petites minutes à cette rencontre. Je m'en veux parce que je vais être forcée de vous laisser partir sans avoir lu de Claudel, alors que c'est quand même l'auteur de votre vie. Mais je voudrais que l'on parle de votre actualité. De votre actualité, donc ce mois-ci, avec cette pièce de Daniel Thompson, où 5 femmes, l'amour, que je sois dans le bon ordre, l'amour, la mort, les fringues. C'est ça. Voilà. Que vous jouez au Théâtre Marigny. Le Théâtre Marigny qui a abrité longtemps la compagnie Barreau-Renault. Est-ce que aujourd'hui, avec le temps, d'abord, est-ce que ça vous fait quelque chose ? L'autre soir, nous avons dîné ensemble au restaurant du théâtre des Champs-Élysées, du rond-point des Champs-Élysées. En arrivant, je voyais marqué Barreau Renault sur la façade, et je me disais, mais partout où elle va, il y a Barreau Renault. Est-ce que vous vous en sentez quand même l'héritière ? Ah oui. Surtout justement quand je plonge, ça, c'était le centenaire de Jean-Louis Barreau en 2010. Et j'ai été amenée à faire beaucoup de rencontres, des tables rondes. Et puis, un auteur, Pierre Tréhardy, m'a fait un texte avec les textes de Jean-Louis, mais il les a arrangés et bon, il a mis sa patte aussi. Et je fais beaucoup de lectures de ces textes. Et vraiment, je pense que j'ai beaucoup de points communs avec Jean-Louis Barreau, mais beaucoup. C'est incroyable. Mais c'est au-delà de la mort que je m'en aperçois. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il a laissé au théâtre, finalement, maintenant ? Mais justement, il est un artiste libre. Il ne s'est jamais laissé enfermer dans une école. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi qu'on l'oublie plus que d'autres. Parce que quand on regarde comment il a dirigé la compagnie Renault-Barreau, et ce qui était le fer de lance de cette compagnie, c'était la diversité. Ils arrivaient à jouer dans la même semaine, et les mêmes acteurs, hein, le soulier de satin de Claudel, et en alternance avec la vie parisienne d'Offenbach, et mettons une pièce de Hanouille. C'était incroyable. Il n'y avait qu'à la Comédie Française, et à la Comédie Française, c'est quand même plus restreint les choix des œuvres, parce qu'ils sont moins dans le moderne. Et puis maintenant, ça se diversifie. Et puis surtout, la Comédie Française, c'est fini maintenant. Ils jouent par période. Tandis que là, c'était vraiment dans la même semaine. Moi, j'étais fascinée quand même de voir ça. Donc, il reste ça. Il n'a pas une esthétique qui s'est refermée sur elle-même. Et il était vraiment vraiment un homme intéressé par le monde, par les autres cultures, par... je crois que un homme libre, quoi. Vraiment, un homme libre et un homme qui a toujours mis ensemble
le mot plaisir avec théâtre, c'est-à-dire plaisir pour lui et plaisir pour les spectateurs. Vous avez longtemps rêvé qu'il remplace le père que vous aviez et qui était mort. Est-ce qu'au fil des années, quand même, vous vous êtes rapprochés ? Non. Si, on s'est rapprochés. Enfin, quand vous avez été nominée aux Oscars Ah non. Mais il s'est jamais intéressé à mon travail, jamais. Il n'est jamais venu me voir jouer, rien. Non. Il ne m'a jamais fait un compliment, il ne m'a jamais dit qu'il avait vu un film dans lequel je jouais, ni un film à la télévision, rien, jamais, non. Non, un inintérêt total pour ma carrière d'actrice. Mais dans la vie, de la tendresse, de l'affection, oui, on avait une vie de famille quand même. Mais on ne parlait pas beaucoup de tout ça. Moi, je lui parlais des choses qu'il jouait, mais il ne me parlait pas de ce que je jouais moi. Et quand je disais que je jouais une pièce, il faisait « Ah bon ?» Quand j'ai dit que j'allais jouer le partage du midi, il me faut « Ah bon ? Les Claudel vous ont donné les droits ?» Avec un air un peu sévère, l'air de dire voilà. Dans les textes que vous avez apportés de Jean-Louis Barrault, il y a une lettre à Madeleine Renaud. Que vous nous l'avez... Mais alors non, il m'est quand même arrivé quelque chose avec Jean-Louis Barrault qui est très intéressant, c'est qu'après sa mort, lui est mort, puis Madeleine Renaud, puis le fils de Madeleine Renaud. Donc tout l'héritage est arrivé au fils de Madeleine Renaud qui a tout dispersé, qui a fait une vente aux enchères abominable, où évidemment je n'ai pas été. Et la Bibliothèque nationale a récupéré, heureusement, a racheté toutes les lettres. Il y avait un immense intérêt, et les lettres et les carnets de Jean-Louis Barrault, qui sinon auraient été dispersés, un petit tas par là au Japon, un petit tas par là au Texas, enfin, c'est invraisemblable. Et les gens de la Bibliothèque nationale, un jour, m'ont demandé si ça m'intéressait de venir lire des choses. Vous pensez que si j'y étais ? Alors, j'ai lu toutes les lettres, parce que pendant quelques mois, Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud ont été séparés. C'est la seule fois de leur vie qu'ils ont été séparés. Lui, il a été mobilisé, comme tous les hommes de cet âge-là, en 39. Et ils ont été séparés pendant 8-9 mois, et ça a été affreux. Ils se sont écrits, alors là, trois lettres par jour, tous les jours, enfin, c'était... Et j'ai compris beaucoup de choses ce jour-là. J'ai compris qu'ils avaient reformé une bulle sur eux après cette séparation qui leur avait été intolérable. Ils s'étaient dit, promis, qu'ils ne seraient plus jamais séparés. Et je crois qu'ils ont été beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire, ils se sont fait une bulle dans laquelle il y avait lui et elle, un peu son fils à elle, parce qu'elle était comme une mante religieuse avec lui. Mais c'est tout. Finalement, le monde extérieur... Alors, ça ne se voyait pas à première vue, parce qu'ils étaient évidemment totalement portés vers le public, vers le monde entier. Ils ont été dans le monde entier. Donc, tout le monde pensait qu'ils ne vivaient que pour le monde. Mais en vérité, ils étaient avant tout cette petite cellule assez fermée. Mais j'ai compris ça en lisant leurs lettres. Et alors, dans ce spectacle que je fais, cette lecture que je fais, j'ai récupéré juste une des lettres. Mais mon idée, c'est de les faire éditer, ces lettres, et de raconter mon histoire avec Jean-Louis Barrault à travers ces lettres. Parce que maintenant, j'ai envie de le retrouver d'une certaine façon, de retrouver, d'avoir un amour avec lui posthume, parce que c'est vrai que je l'aime infiniment. Alors, il écrivait à Madeleine. Alors, elle était désespérée parce qu'ils étaient séparés. Donc, il lui écrit ce jour-là. Mais je te supplie... Lorsque tu te sens seule, lorsque tu ne te sens pas comprise par les autres, rappelle-toi vite qu'un être et qu'un seul être au monde est ton pareil. C'est moi. Tu peux dire que nous deux, nous faisons la paire. Dis-toi ça plusieurs fois et tu verras que ta révolte se transformera en ironie, car tu sais, c'est unique de rencontrer son semblable. Il me semble souvent que nous en sommes à l'âge des petits-enfants et que nous allons tous les deux à l'école avec nos cartables sur le dos, et que nous nous asseyons au même banc, copiant nos devoirs l'un sur l'autre, nos cheveux se frôlant, notre souffle se mélangeant, et que nous nous levons en même temps lorsque le maître nous demande de réciter par cœur notre leçon, leçon que nous récitons en cœur. Voilà, c'est une jolie lettre. Elle m'a beaucoup empêchée d'avoir une relation d'amour avec lui. Elle m'a beaucoup empêchée, beaucoup. Parce que quand j'ai perdu mon père, j'étais dévastée. Je suis encore dévastée par la perte de mon père. Et je n'ai pas eu le temps d'avoir une vraie relation avec lui. Il a été malade trop longtemps et il est mort. J'étais encore trop petite et je n'avais qu'une idée à 14 ans, c'était de grandir vite pour vivre avec lui, m'occuper de lui, reformer une cellule familiale avec lui, mais je ne me rendais pas compte de la gravité de son état, donc il est mort avant que je puisse faire ça. Et quand j'étais... Donc, je me suis immédiatement tournée vers Jean-Louis Barrault pour qu'il joue, pour qu'il devienne mon père. Ça me paraissait tellement logique.
Il s'était pas du tout occupé de son frère, déjà malade. Donc déjà, ça m'avait beaucoup choquée et blessée qu'il le laisse totalement abandonné. Et là, elle a fait barrage. Et chaque fois que j'appelais en disant... Normalement, on allait déjeuner tous les mercredis avec mon frère. Mais chaque fois que j'appelais pour quelque chose, ça me disait « Il y a un problème ? Tu as un problème ?» Alors je disais « Non, non, j'aimerais bien vous voir et tout. » « Bon, bah, écoute, là, on est très occupés. Rappelle dans quelques jours. Hein, rappelle dans quelques jours. » Et puis, elle me repoussait comme ça tout le temps. En fait, elle me repoussait, quoi. Et moi, je n'avais pas la force à cette époque-là de dire « Ben, zut. » Il y aurait eu les portables, ça changeait tout. Ça, c'est une belle conclusion. Ça changeait tout. Il aurait eu un portable, je l'aurais appelé sur son portable. Et j'aurais pris des rendez-vous directs avec lui. C'est ça, aujourd'hui, le portable. Parce que tout le monde incrimine le portable. On ne peut plus faire un pas sans être appelé. Oui, mais ça permet d'avoir des relations avec les gens, de les trouver tout de suite, sans intermédiaire. Marie-Christine Barrault, merci. Je vais vous soumettre, comme tous les autres invités, au questionnaire de Pivot, bien sûr. Je voudrais déjà dire que vous retrouverez Marie-Christine Barrault en septembre au Livre sur la Place. Elle fera le samedi 17 septembre la lecture phare de la manifestation en hommage à Jacqueline de Romilly. Donc vous la retrouverez là, puis vous la retrouverez, vous avez entendu tout à l'heure, le 9 octobre, salle Poirel, pour Opening Night. Vous jouez jusqu'à quand à Paris? Je ne joue que jusqu'au 1er mai. Les fringues. Quelles actrices? Puisque les 30 actrices changent. Or Attica, Noémie Lovski, Evelyne Bouix et Marie-Lou Berry. Un écrin de merveilles. Je sais que vous êtes une grande lectrice. Je ne voulais pas vous laisser rentrer à Paris sans vous donner trois livres. Ça va être encore lourd dans la valise, mais enfin bon. Je suis prête à vous les déposer. Ah. Deux livres de Laura qui viennent de sortir. Élise Fischer vient de sortir son dernier roman, Le rêve de la grenouille, que je suis ravie de vous donner. Et Michel Caffier, Corne de brume, c'est son dernier roman aussi, Entre Boulogne et Nancy. Et puis, comme vous êtes en train de devenir intime de notre ville et que l'on est à quelques jours de Pâques, un très beau cadeau à offrir, Nancy Intime, qui vient de paraître aux éditions Domini. C'est vrai qu'il est lourd, mais il mérite d'être emporté. Donc Marie-Christine, bravo. Je vous pose les questions du questionnaire de Pivot tout de suite après vous avoir dit, vous remercier de votre présence, et dit que notre prochaine rencontre serait le lundi 6 juin. Et je recevrai aujourd'hui un des écrivains qui est le plus lu en Europe et aux États-Unis depuis elle s'appelait Sarah, c'est Tatiana de Ronet. Donc merci beaucoup Marie-Christine, avant d'aller dédicacer, votre mot préféré. Mon mot préféré, alors là, il n'y a même pas de question, c'est oui. Je trouve que c'est un mot qui permet tout, qui ouvre toutes les portes, qui fait avancer. C'est oui à tout, c'est-à-dire oui à tout ce que la vie propose, oui aux personnes, oui aux aventures humaines, oui à la vie, oui. Et le mot que vous détestez ? Bon, c'est pas forcément non, mais parce qu'il y a des noms qui ressemblent à des oui, mais le mot que je déteste, on pourrait dire par exemple, c'est pas de ma faute. Voilà, ça c'est une expression que je déteste, c'est pas de ma faute, parce que ça veut dire que oui, qu'on se dégage de toute responsabilité. Mais j'aime bien les responsabilités, j'aime bien le courage de ses actes. Donc, votre drogue favorite, je m'en doute. Bon, c'est le travail, ça. Oui, alors là. Votre juron, gros mot ou blasphème favori? J'en dis que je ne peux pas prononcer ici. Mais il y en a un que j'aime bien et que de temps en temps je dis, c'est Dieu me tripote, va savoir pourquoi. Dans ce cas-là, je vais poser directement la dernière question. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire ? Eh bien, j'aimerais bien qu'il me dise, tu vois, ce long chemin te menait jusqu'à moi. Merci beaucoup, Marie-Christine. Ce long chemin pour arriver jusqu'à toi est en vente à l'entrée de l'Opéra.
spectacle. Alors, ainsi, on va vous emmener par l'arrière. Voilà, donc Marie-Christine, dédicace à l'entrée de l'opéra dans quelques instants. Merci beaucoup. Vous allez vous donner, vous pouvez me raconter ça. Oui, bien sûr. Tout.